rentre sur le Brook. Et ça passe sans aucun problème également à l'arrière pour Néo Dupic. On accélère maintenant pour aller vers le passage de route. Toujours en tête de l'épreuve, Paulin de Sourniac. Ouh, malheureusement, une grosse faute pour feu croisé. Alors que les concurrents vont aller maintenant vers le bout de la diagonale. Avec l'avantage toujours pour Paulin de Sourniac en deuxième position. Il y a toujours le 6 Catharine qui a sauté un petit peu gros. Néo Dupic est toujours à l'arrière devant le numéro 8 Kalos qui est en dernière position. Paulin de Sourniac, Catharine en deuxième position, Sangaro troisième avec Kairaki de Marmin, feu croisé, Fastino, Néo Dupic toujours à l'arrière devant Kalos. Nouveau bout Finch au bout de cette diagonale. Nous sommes désormais à main gauche. Croisé qui n'a pas eu toutes ses aises, qui n'a pas pu très très bien tourner, mais qui reste néanmoins en cinquième position. Le meilleur toujours pour Paulin de Sourniac, qui se détache de Catharine, qui est en deuxième position. Sangaro qui est toujours troisième. Kairaki de Marmin, qui est un tout petit peu plus loin, quatrième. Fastino qui tente de se rapprocher. Feu croisé. Néo Dupic qui est toujours en avant, dernière position, devant le numéro 8, Kalos. Les concurrents qui vont se diriger maintenant vers le talus, avec Paulin de Sourniac qui a toujours l'avantage. Coton qui se resserre sensiblement. Sangaro est troisième. Fastino pas mal. Fastino est quatrième. Kairaki de Marmin à son extérieur. Feu croisé ensuite devant Néo Dupic et Kalos. Ça passe sans encombre. Allez, ça va peut-être accélérer maintenant. On va essayer de venir de l'arrière. Même si devant, ça déroule pas mal pour aller vers le Volpoum. Paulin de Sourniac qui donne toujours pas mal de rythme à l'épreuve. Catharine deuxième. Sangaro troisième, pas de problème. Fastino, Kairaki de Marmin. Néo Dupic ensuite. Précédé de peu par feu croisé. On va aller franchir un tronc d'arbre. Paulin de Sourniac, Catharine, Kazakh Orange en deuxième position, Sangaro troisième, Fastino quatrième pour franchir le bullfinch perpendiculaire à la piste. Kairaki de Marmin, Kazakh Blanche et Top Bleu qui est quatrième à l'extérieur. Feu croisé pour l'instant en pénultième devant Néo Dupic et Kalos toujours dans cet ordre. Je rappelle qu'on a perdu Toscane de Lavabre en début de parcours qui a malheureusement éjecté son jockey en début de parcours. Tous les autres sont bien en course pour aller franchir une nouvelle fois la nouvelle banquette. Allez, ça passe sans problème. Une petite faute à l'arrière de Néo Dupic, mais qui va être maintenant lancé. On a feu croisé qui tente également d'accélérer un petit peu le tempo d'épreuve pour franchir le Brook. L'avantage toujours pour Paulin de Sourniac devant Catharine en deuxième position, Kairaki Marmin, Sangaro, Fastino, feu croisé, Néo Dupic pour franchir le passage de route. Avec une grosse faute en retrait du 8 Kalos qui s'est relevé, son jockey est à terre pour l'instant. On va maintenant se diriger vers le bullfinch. Allez, on accélère. Le bullfinch pour Paulin de Sourniac, Catharine, feu croisé, Sangaro, Fastino dans cet ordre. Néo Dupic, un tout petit peu pris de vitesse peut-être, est en dernière position pour l'instant. Il a peut-être essayé de se rapprocher maintenant alors qu'on vient de franchir un vert. Mais devant Paulin de Sourniac, évidemment, qui va réaccélérer à l'entrée du dernier tour en deuxième position. Catharine, feu croisé qui est là, avec également en troisième position Sangaro, Fastino qui est en pour l'instant 4-5e position à l'intersection des pistes. Ça va être dur pour Néo Dupic, mais qui va peut-être bien terminer en retrait. Entrée de la dernière ligne droite, une ligne à franchir. Paulin de Sourniac, feu croisé, avec Catharine qui est en troisième position devant Sangaro. On assure le saut de la dernière haie. Avec 150 mètres de but, Paulin de Sourniac qui a toujours l'avantage et qui va s'imposer de bout en bout. Catharine en deuxième position, feu croisé également, 100 mètres de but. Paulin de Sourniac devant feu croisé. Paulin de Sourniac le 2 qui va s'imposer de bout en bout. La deuxième place pour le 6, Catharine qui court de première. La troisième place pour l'As, feu croisé le favori.